Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis rentré de Séville récemment. J'ai de la chance, il y a un peu de soleil. Je suis assez content, mais je vous cache pas que c'est dur. C'est dur, je voudrais rester là-bas, vraiment. Bon, en tout cas, je voulais vous parler d'une chose, c'est que j'ai un prochain séminaire immobilier. C'est le seul de l'année que je fais à Paris. C'est le seul de l'année, il n'y en aura pas d'autre. C'est le 3 mars, donc c'est dans un peu moins d'un mois. Et je voulais vous donner quelques clé sur le programme qu'il va y avoir. Donc vous devez savoir que chaque séminaire que je fais est unique, hein. C'est pas des copier-coller les uns des autres. J'aime bien à chaque fois faire des choses différentes pour moi, ça me permet aussi d'apprendre. Et je pense que c'est intéressant aussi pour vous, donc si vous êtes déjà venu à un séminaire, vous pouvez revenir. Il y a, je sais pas, 70% du programme qui n'a rien à voir, quoi. Donc voilà ce qu'on va aborder dans ce séminaire qui s'appelle Immobilier, liberté financière. L'idée c'est quoi? C'est de créer du partage d'expériences assez avancé, hein, c'est pas, on n'est pas là pour vous faire rêver avec des trucs en l'air, vous connaissez mon créneau, hein, je ne suis pas là pour vous faire rêver avec des trucs magiques, c'est du concret, des investisseurs uniquement qui interviennent. Et voilà, on va parler de colocation, comment faire pour créer une colocation, quel appartement choisir, comment ça marche pour gérer une colocation à distance et sans agence, comme je le fais. J'ai d'ailleurs eu une rotation de locataires dans ma colocation, les trois sont partis, ont été remplacés par trois autres locataires. Je n'étais pas sur place, ils ont géré tout seul, il y a des process à mettre en place pour faire ça, voilà. Donc, comment faire ça pour optimiser la rentabilité? Il y a eu zéro jour de vacances locatives, hein, sur cette colocation. On va parler de colocation, il va y avoir aussi un intervenant sur les enchères, comment acheter de l'immobilier aux enchères, un sujet qui est rarement abordé. Moi, je ne suis pas un spécialiste, donc je fais appel à un spécialiste qui va vous expliquer comment il a fait. Il peut avoir jusqu'à des prix jusqu'à 35-40% moins cher que le prix officiel. Donc, il va vous partager son expérience. Voilà, ça vaut de l'or, ça. Il va y avoir aussi un ancien banquier d'affaires. Ah, ben, le soleil est parti, vous voyez. J'ai parlé trop vite. C'est bon, il revient. Magique. Un ancien banquier d'affaires qui va vous parler de financement. Financement. Donc, la thématique de son intervention, c'est comment obtenir un financement illimité. Donc, il est possible, quand on connaît le fonctionnement interne de la banque, les indicateurs qu'elle regarde, d'avoir du financement. Vous avez sûrement vu des gens autour de vous, hein, qui arrivent à faire 1, 2, 3, 4, 5 acquisitions, 10, 15. Mais comment ils font? Comment ils font? Ils n'ont pas des salaires mirobolants? Comment ils font? Donc, lui va vous révéler comment la banque regarde et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du financement de manière illimitée. Donc ça, autant vous dire que cette intervention vaut aussi largement 15 fois le prix de votre participation à ce séminaire. Ensuite, il y aura aussi une session sur les travaux, comment ça marche, à quoi il faut faire attention, les artisans. Et là, vraiment, retour d'expérience, j'ai des chantiers en cours. Quand on cadre bien, quand on choisit les bonnes personnes, quand on sait comment faire ça dès le départ, ça se passe bien. Quand on fait mal ces genres de trucs, ça se passe mal. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, investisseur qui va vous faire un retour d'expérience également là-dessus. Donc, je dois aussi vous dire que au moment où vous voyez cette vidéo, au moment où elle sort, il y a encore un tarif spécial, un tarif réduit, hein, pour votre inscription à ce séminaire. Sachant que avec ce tarif, il y a votre repas du midi qui est inclus. Donc, ça se passe à Paris. On sera dans un très bel hôtel à Paris. Vous serez super bien reçu. Et l'idée, c'est de networker, rencontrer des gens, échanger avec des vrais investisseurs. Donc, dans la salle, il y a toujours des gens qui débutent, mais il y a aussi une bonne moitié des participants qui sont déjà investisseurs, voire certains qui ont 5, 10 ou 15 biens. Donc voilà, les gens sont là pour apprendre et c'est une communauté bienveillante, de gens intelligents. Ce n'est pas des gens qui rêvent, ce n'est pas des gens qui sont dans le profit à court terme, c'est des gens qui veulent construire, qui sont intelligents. Donc voilà, venez rejoindre cette communauté de gens incroyables que j'ai le plaisir de côtoyer régulièrement. Ça me ferait plaisir que vous soyez là. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que vous allez avoir le lien qui se trouve dans la description. Cliquez, n'attendez pas trop parce que voilà, je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais il est possible que les places soient complètes. La dernière fois, le séminaire était complet. Donc voilà, n'attendez pas vraiment si vous voulez vivre cette journée incroyable. C'est une journée qui est dense, hein. Ce n'est pas une journée où on va se tourner les pouces. On débute à 8h30, il y a beaucoup d'échanges, on va super bien manger, super bien boire et on va surtout apprendre plein de choses sur l'immobilier et surtout pouvoir créer du réseau. Il y a plein de bonus offerts durant la prévente du séminaire. Donc, profitez-en si vous voulez profiter de tous ces bonus. Il y a des formations que je vous offre. Il y a plein de choses. Je n'ai pas le temps de vous détailler. Tout est sur la page. Allez voir et je serai vraiment très heureux de vous y retrouver. Salut! Dans l'immobilier, on fait quand même travailler de l'argent que l'on n'a pas.
l'opération, il faut qu'elle soit rentable, sinon elle n'a plus de sens. Donc la rentabilité, c'est vraiment avoir du cash flow positif à la fin. Il y a des projets qui s'y prêtent bien. La colocation, la location courte durée, la division immobilière, les travaux et les immeubles de rapport. On va commencer par parler un petit peu de stratégie, échanger des idées là-dessus, notamment pour les personnes qui débutent, reparler de certains fondamentaux, vous partager des retours d'expérience. C'est l'occasion de voir des vraies expériences. Je vais vous parler de colocation après aussi. Ce séminaire, ça m'a apporté des réponses au niveau fiscal. Je vais vous faire donc une petite présentation sur la fiscalité immobilière. On verra aussi réussir dans la location courte durée. C'était vraiment riche, notamment la partie travaux qui était vraiment top. J'étais venu vraiment pour ça au départ. Et aussi la partie sur la division qui m'a donné envie de partir là-dessus. J'ai eu toutes les réponses que j'attendais de la part de ce séminaire grâce à Mickaël. Il faut vous créer votre équipe, c'est essentiel. C'est vraiment une occasion unique de se sentir dans une vraie communauté avec des personnes qui ont des objectifs similaires et de vie, et qui veulent aller dans la même direction. Simple, terre à terre, nous explique de A à Z comment ça se passe. Posez-vous des questions et répondez à ces questions franchement. Combien je veux par mois ? Alors la somme, c'est bien, mais ok, dans combien de temps je souhaiterais cette somme ou j'ai besoin de cette somme ? Ce séminaire s'adresse à tous ceux qui veulent investir, tous ceux qui veulent avoir la liberté financière. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai envie de passer à l'action maintenant. Merci Mickaël, c'était génial. Ouais.